Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette capsule, on fait un exercice juste pour bouger, juste pour se dépenser un petit peu. Et si jamais vous avez le temps et l'envie de faire plus d'exercices, je vous invite à faire la séance complète dans laquelle cet exercice a été tiré. Donc, vous pouvez accéder à la séance par le lien qui est mis en description de cette vidéo. Mais si le temps vous manque ou l'envie vous manque de faire plus d'exercices, on en fait juste un dans cette vidéo et on fait du cardio avec les bras. Vous pouvez faire l'exercice debout ou assis selon votre préférence et bien évidemment vos capacités. Assurez-vous toujours de faire l'exercice en toute sécurité. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, soit assis ou debout, comme je l'ai dit au départ. Donc, puis vous pouvez alterner, vous pouvez changer de position si vous êtes fatigué ou ça vous tente de faire un exercice debout, une série assise. Vous pouvez vraiment varier selon ce qui vous tente. Et comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux. Notamment aujourd'hui, là, c'est vraiment pour faire du cardio, pour bouger, avoir du plaisir, se dépenser un petit peu et ce, avec les bras. On va essayer d'incorporer le tronc un petit peu si vous êtes capable. Et c'est bien sûr en travaillant notre équilibre, puis on va se déplacer un petit peu, ça va travailler aussi nos hanches donc, et nos jambes un petit peu, si pour vous c'est possible. Donc tout ça là pour dire que les exercices n'ont pas besoin d'être faits parfaitement comme moi, n'ont pas besoin d'être faits dans toute l'amplitude. Vous pouvez y aller comme vous êtes capable, comme ça vous tente, tant que vous bougiez et aussi qu'il n'y ait pas de douleur. Donc si jamais il y a de la douleur, essayez d'aller moins loin, moins vite, essayez de changer un petit peu certains paramètres, puis si ça ne fait pas, faites pas l'exercice, faites-en un autre. Vous pouvez même en inventer un autre. L'important, c'est vraiment de bouger puis de se mobiliser, de travailler nos muscles et notre système cardio-respiratoire. Et bien sûr, votre sécurité, c'est toujours la chose qui est la plus importante bien avant de bouger. Donc, assurez-vous de toujours faire les exercices en toute sécurité, d'être sur une chaise stable ou d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre pour pouvoir vous rattraper ou même d'avoir quelqu'un avec vous si vous sentez que vous en avez de besoin. S'il y a de la fatigue qui apparaît également, que vous faites les exercices debout, gênez-vous pas pour vous asseoir, c'est très important. Sur ce, on va débuter tout de suite, hein? On veut aller chercher de l'intensité, donc on se prépare, on fait des 30 secondes et on essaie de faire ça des enchaînés. Si vous avez besoin de pause, par contre, prenez des pauses et donc on va commencer, on va faire des rotations comme ça. C'est parti! Donc, pour l'échauffement, on va y aller doucement. Donc, on fait juste des petites rotations comme ça. On ne lâche pas. Donc, on ne va pas trop vite. Ce n'est pas un exercice qui est très exigeant. Pour débuter, donc c'est vraiment pour s'échauffer. On travaille un peu les biceps, les extenseurs. Nos épaules travaillent en maintien, en flexion. On est comme en abduction fonctionnelle, donc entre l'abduction et la flexion. Donc, on travaille beaucoup de muscles en ce moment, mais pas à haute intensité. On prend une courte pause. On va aller un petit peu plus vite pour la deuxième série. Donc, quand on se répare, on essaie de s'asseoir bien. On contracte les muscles des abdos. On prend une bonne respiration et c'est parti! On y va! Deuxième série, plus rapidement. Là, on veut aller chercher plus d'intensité. On n'a pas encore intégré le tronc. Plus on va avancer dans la séance, plus on va être comme échauffé, plus on va ajouter des composantes. On lâche pas, on lâche pas! On respire bien! Ouh, ça traite la coordination aussi! Excellent! On prend une courte pause. Et là, ce que je voudrais qu'on ajoute, c'est qu'on va faire comme ça, 1, 2, 3, et on va faire une rotation externe de l'épaule, 1, 2, 3, comme ça. Comme si on dansait, je sais pas dans quelle danse c'est, mais on a tous déjà fait ça. Surtout dans un mariage ou quelque chose du genre, des espèces de danse. Allez, on y va, on met un petit peu de plaisir dans cet entraînement. Allez, c'est parti! Oups, attendez, 1, 2, 3, ouh, 1, 2, 3, ouh, 1, 2, 3, ouh, 1, 2, 3. Et on essaie de donner de la puissance. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si ça vous mélange, mais on ajoute une petite chose. Si
ça vous tente, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez, ajouter votre créativité. Des fois, on fait ça, puis on faisait des coups vers l'avant. Là, on fait en rotation externe. C'est difficile. Et vous voyez, je me balance un petit peu. J'ai intégré le tronc. Excellent, super! Excellent! J'espère que vous avez aimé cet exercice et peut-être que ça vous a réchauffé, que ça vous a donné le goût d'en faire d'autres. Et si c'est le cas, ben vous pouvez cliquer sur le lien en description, soit en bas ou en haut, et faire la séance complète. Donc, cet exercice-là est tiré d'une séance du vendredi que j'ai fait précédemment, dans laquelle on a fait 4 autres exercices de cardio avec les bras. Donc, si ça vous tente, juste à cliquer sur le lien. Et sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que ça vous a recraqué un petit peu, donné un peu d'énergie pour continuer votre journée. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et comme toujours, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!